même très étrange qu'une personne décide d'imprimer en fait le site Wikipédia au complet et d'en faire des tomes en fait comme une sorte d'encyclopédie à laquelle on peut retrouver tout ce qu'on retrouve là maintenant en fait sur le site Wikipédia. Voilà, une personne a décidé de faire ça. Alors bon, il y a d'autres personnes qui font aussi des trucs un peu what the fuck, mais là, quand même, surtout en plusieurs années quoi, s'il te plaît. Non. Putain, j'ai pleuré. C'est chaud. What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un artiste, entre guillemets, parce que ce qu'on peut vraiment appeler. Bah, je sais pas vraiment, enfin bref, on va dire que c'est un artiste, ok? On va pas se compliquer la vie dans cette vidéo, c'est un artiste. Voilà, c'est comme ça, ok? Américain d'ailleurs, et qui a imprimé en fait l'intégralité de l'encyclopédie en ligne en langue anglaise, bien sûr. Il n'a pas fait toutes les langues et il a mis le prix de vente de 500 000 dollars, c'est-à-dire que le gars a décidé en fait, eh bien, d'imprimer, comme je vous l'ai dit, Wikipédia carrément le site. Alors, c'est pas rien hein, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes, je vais vous le dire. Ouais, ça fait pleurer, je sais pas, ouais. Aussi, ça fait un peu fondre la carte bleue parce que forcément il faut payer l'encre et je pense que le mec était vraiment vraiment déterminé, tu vois, il était au taquet puisque ça lui a pris quand même 3 ans, c'est pas rien, hein, il était très très déterminé. Il s'appelle donc Michael Mandblerg. Ok, je crois que je prononce bien, ou Mandblog, qui imprimait donc toute l'encyclopédie en ligne, donc Wikipédia, en langue anglaise, comme je vous l'ai dit. Donc le résultat, c'est 7600 volumes. 7600 volumes. Allô? Le mec a imprimé 7600 volumes. J'arrive pas à y croire. C'est dingue. C'est pas normal. Il y a un problème. Ok. Donc, en fait, son œuvre baptisée From A to Zap, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, il a été baptisé comme ça, a été présenté donc jeudi et jusqu'au 2 juillet à la Denny Gallery, excusez-moi, de New York, rapporte le Washington Post. Donc voilà, sachant aussi que chacun de ses volumes est disponible pour 80 $ et qu'au total, ça lui a pris 3 ans pour faire ça. Parce qu'en fait, il a son encyclopédie, il est super content, il a 7600 volumes, mais quand tu vas les étaler comme ça, enfin, tu vas t'y perdre. Et puis surtout aussi que, bah, malheureusement, les sites internet et tout, c'est un peu des mages, des mises à jour en quelque sorte. Et par exemple, sur ce site-là, bah, il y a souvent des nouvelles pages qui vont arriver. Et donc, le mec va se retrouver à imprimer limite tous les jours des nouvelles pages. Donc, il va un peu s'y perdre. Et puis, honnêtement, avoir 7600 volumes, il faut aussi avoir la place. Et puis, quel est l'intérêt? Mais par exemple, on peut trouver une solution comme un aspirateur web. C'est-à-dire, en gros, tu peux aspirer le site web, soit faire un copier-coller du site internet et t'as pas besoin d'internet en fait, juste d'un ordinateur. Comme ça, tu peux aller sur le site en fait, au lieu d'imprimer tout ça. Ce qui coûte beaucoup plus cher. Et puis surtout, le logiciel, il est gratuit pour copier-coller un site web. Bah, ça vaut peut-être plus le coup. Je sais pas. Puis là, il y en a peut-être qui vont me dire, mais Christo, un jour, il y aura plus d'électricité. Et ouais. Eh bah, ben écoute, t'as raison. Là, c'est la merde. Effectivement, ces 7600 volumes, bah, lui servira. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais ça lui. Ouais, ça fera quelque chose. Ouais. Ah, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo What the fuck en fait. Bon, ça m'avait fait assez rire. Sinon, au fait, demain, je termine. Bah, en fait, je suis en vacances à partir de demain. Donc, je pourrais vous offrir un peu plus de vidéos. Puisque j'aurai quand même un mois et demi, 2 mois de vacances. Donc, ça fera super plaisir. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est pour ça que je vous le présente. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out. Ne faites pas ça, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Excusez-moi, je suis toujours choqué.